Bonjour, Jean-Louis Vidal pour Rodin Motor. Nous sommes aujourd'hui à Langenthal. Nous avons été invités par la maison Opel qui nous présente la deuxième version de son nouveau véhicule, le Combo. Enfin, ce n'est pas un nouveau, c'est la deuxième génération. Et c'est un véhicule qui a été développé communément avec Fiat. Tout ça pour l'historique. Maintenant, simplement pour vous dire que ce véhicule existe en deux variantes. La première qui est la variante van, qui est donc destinée plutôt à un marché utilitaire, d'artisans, de petits transporteurs, à relever quand même qu'on arrive avec un empattement long qui est aussi disponible à charger jusqu'à 2 euros palette. Et on a aussi comme petite alternative un petit clapet sur le toit qui va permettre d'y charger échelle ou tuyaux ou tout ce qui sera un peu plus long que ne permettrait l'aménagement de la voiture. Maintenant, on a bien entendu aussi une dérivation, on va dire, famille, ou pour ne pas réduire, je vais dire ça, à ce domaine famille. On va dire qu'ici, on a un véhicule qui peut accueillir jusqu'à 7 personnes, avec aussi, que ce soit pour l'utilitaire ou que ce soit pour celui-ci, la possibilité d'avoir un toit plus élevé, ce qui va donner, bien entendu, à l'intérieur, plus de place en hauteur, principalement utile, par exemple, pour des transports, pour des petites collectivités, ou pour, par exemple, le transport de taxi, ou etc. Enfin, ces deux véhicules sont très, très modulables au niveau du volume à l'intérieur, parce qu'on peut travailler au niveau de la carrosserie. Maintenant, que dire encore? Bien entendu, au niveau de la sécurité, ils ont ce qu'ont pratiquement tous les véhicules aujourd'hui, c'est-à-dire ils ont l'ABS, ils ont l'ESP, ils ont tout ce qui va bien, en fait, enfin, presque, on va dire, tout ce que devrait avoir n'importe quel véhicule qui arrive sur le marché en ce moment. Bon, en ce qui concerne les motorisations, que ce soit pour la partie utilitaire ou la partie famille et voyage, ils bénéficient les deux de 4 motorisations diesel qui vont osciller entre 1,3 litres jusqu'à 2 litres diesel et de 90 à 135 chevaux. Pour la partie essence, il y a une motorisation en 1,4 litres qui, elle, développe 95 chevaux. Et il y a une version mixte gaz naturel, donc essence et gaz, qui elle développe 120 chevaux. Toutes ces motorisations, bien entendu, bénéficient de ce que Opel appelle l'Ecoflex. Cet Ecoflex, c'est un meilleur équipement au niveau de la voiture. C'est tout un ensemble de prestations au niveau moteur, telles que start and stop, etc., hill climb, l'aide au dépannage en côte, qui vont vous permettre d'économiser encore un peu d'essence. Voilà, alors j'espère qu'on a pu vous intéresser un peu avec cette nouvelle mouture d'Opel Combo, que ce soit dans la version tour ou que ce soit dans la version van, pratique pour tous les petits artisans, les petits livreurs, etc., ou la version famille. Sachez qu'elle sera disponible à partir du mois de juillet chez vos concessionnaires. Si ça vous intéresse, comme on dit toujours chez Rodin Motor, le mieux, c'est encore d'aller chez le concessionnaire, de faire un test et de vous laisser conseiller par votre garagiste. Voilà, c'était Jean-Louis Vidal pour Rodin Motor. À bientôt. Ah, au fait, on a quand même oublié un petit peu quelque chose. On a oublié de vous parler des prix. Alors les prix, c'est comme en ce moment, la période est un peu floue, tout est un peu compliqué. En version de base, en version catalogue, on va dire, le van démarre à 19 950 francs et la version familiale, comme ici, démarre à 22 750 francs. Mais c'est encore pas toute la vérité parce que, bien entendu, comme chez tous les autres constructeurs, il y a plein de primes, il y a plein de propositions intéressantes. Par exemple, le van a un prix net qui démarre à 15 300 francs. Donc, allez jeter un coup d'œil. Au moment où vous irez, il y aura peut-être encore d'autres bonnes surprises. Allez, ce coup-ci, c'est fini. À bientôt.